Coucou, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la recette que je vous propose, c'est comment je fais mon foufou igname. Donc on se voit plus, on y va. Là, je vais commencer par pré-cuire mes escargots. Ça, le jus là, j'avais déjà cuit des légumes avec, donc je ne pouvais pas jeter. J'ai profité pour cuire mes escargots avec. Voici ce que j'ai utilisé comme protéines, poisson fumé, escargot et puis l'eau de bœuf. Là, dans une cocotte, j'ai renversé le jus des escargots, là, l'eau qui a servi à cuire mes escargots, j'ai rajouté du sel. On va couvrir, laisser tout ça là bien bouillir. Quand ça bouille comme ça, je viens rajouter mes morceaux de poisson préalablement nettoyer mes escargots qui sont à mi-cuisson. Et mes poulets pot de bœuf. On va rajouter un peu d'oignon, un peu d'huile rouge, mon bouillon d'assaisonnement bio qui va remplacer le cube d'assaisonnement industriel. Pour tout ce qui c'est intéressé, vous avez toutes les informations soit en commentaire ou en légende. Voilà, on va couvrir, laisser tout ça là bien mijoter comme ça environ 10 minutes à feu moyen. Après les 10 minutes, je rajoute encore une grande quantité d'eau. On va couvrir et fermer le tout et laisser bien bouillir. Je laisse bouillir pendant environ 30 minutes. Après les 30 minutes là, ici j'ai mon igname, vous pouvez prendre tout sauf bété. Bah, voilà, pour répondre pour non, à savoir, voici mon igname que j'ai nettoyé. Je vais rajouter un petit morceau d'igname avec aubergine, tomate, gombo, piment. Piment frais. Et là, vous pouvez, pardon, je vais rajouter encore de l'eau. Vous pouvez rajouter soit le câble ou l'adjuvant. Moi, je n'ai pas rajouté. On va décaler de côté. Là, dans une cocotte, j'ai mis de l'eau. Je vais rajouter mes morceaux d'igname qui ont été préalablement nettoyés. On va couvrir tout ça, la laisser bien cuire. Je suis en train de faire fondre mon huile au rouge. Voilà, ça bout comme ça. Je pense que mes ignames sont cuits. Une igname sont cuites. Mon chien est parti avec. Je descends, je vais vider de l'eau là. Et je vais retirer le petit morceau qui a cuit dans cette sauce là. Je vais faire mon foufou au robot. On va tourner comme ça. Quand on constate qu'il n'y a plus de grumeaux, je vais rajouter l'huile rouge. La couleur va dépendre de la quantité d'huile que vous allez rajouter. Je rajoute également du sel. On va bien tourner de telle sorte à obtenir un mélange bien homogène. Voilà, ici je pense que c'est bien uniforme, là il n'y a pas de grumeaux, c'est bien. Je vais débarrasser, puis former, renverser dans mon tablier, là vous allez donner la forme que vous voulez. Vous allez aller avec votre imagination. On a juste fait une petite montagne, j'ai creusé dedans avec les doigts. On va essayer de poser là. Je vais retirer oignon, tomate, piment. Juste un petit morceau de piment pour parfumer. Et là, je vais rajouter piment sec et ail grillé. Voici un peu à quoi la mixture va ressembler. On va rajouter, vous pouvez rajouter aussi un petit morceau de manioc coupé ou du riz cru trempé dans de l'eau. Ça va rendre votre sauce onctueuse. Si vous cuisinez pour une grande quantité de personnes, parce que là, c'est juste pour 2-3 personnes, donc c'est déjà onctueuse. J'ai assaisonné, rectifié mon assaisonnement avec mon bouillon d'assaisonnement. C'est très rare de me voir goûter la sauce pendant la cuisson. Là, la sauce t'a fait pito, pito, pito comme ça. Et je vous dis, c'est top. Oui, blanc couleur, idiot. Pas trop. Je vais dresser le gros poisson, les poulets, les escargots. Je vous dis le goût de ça. Avec le bouillon, là, même là, c'est là. C'est le off. Tonton m'a bien mangé. Là, c'est le piment noir. Là. Vous savez comment on fait piment noir, quoi, composé de ail, tout ça là. Donc, voici les résultats. Oh, si tu as aimé, le piment noir, là, c'est facultatif. Hein. Mais moi, je ne peux pas manger un foufou sans piment noir. Désolé. On se dira, bye bye, yo, voici ça. Foufou, la sauce. Dans une autre vidéo, la prochaine vidéo, on va manger un peu quoi. L'appétit, merci, bébé, sur vous maintenant. Au revoir, oh, bye bye.